Justement, nous avons aussi le deuxième sujet. Je vais rapidement, Pape Dibril. Moi, il y a la question de l'inclusion. C'est ce que je veux, parce que il y a essentiellement 3 ou 4 volets. Mais moi, éducation, compétence, savoir-faire, savoir-être et savoir. Bobo, c'est un défi. Deuxième défi, moi, bon. Pas de Djibril, il y a des médias. Médias, aujourd'hui, c'est très rare. Nous avons ben nda ou journaliste, nous n'est qui journaliste vous parle. Journaliste, vous parlez pas, c'est cela. Oui, c'est des animateurs, c'est de ceci, c'est de cela. Amne yen, effectivement, vous êtes là, qui tire leur épingle du jeu. Mais Lolou, ça reste une question d'inclusion. Les postes de responsabilité, les conseils d'administration, les espaces de décision. Il y aura maintenant, il y a mieux de nous administrer un programme ou un intérêt. Il y aura maintenant une dawi nyoko mo. Le gis foufou, abou ndaw. Le gis sous assemblée nationale, vous n'êtes que sous une représentation. 165 députés. Pape Dibril, 165. Oui. Moi. Mais c'est Wolof. Témer à Djurom Ben Fougurom. Je ne sais pas si tu es là. Tu es là, tu es là. Je là. Bon, allons-y. C'est vrai que la limite là, quand tu es là, tu es là. Tu es là. Non, tu es là. 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 Ah, voilà, c'est ça. Tu es là. Tu es là. Oui. Bon, tu es là. Tu es représenté. Tu es là, Sénégal. C'est même pas que Ndaoui Ndiofi. Parce que Ndaoui, ça, c'est jusqu'à 35 ans. Les gens qui ont moins de 20 ans, ils sont 50% Sénégalais. Ben un Sénégalais a 20 ans, ben un a 20 ans. Ben a plus de 8 millions de personnes. Nous sommes représentants 165. Nous avons représenté moins de 20 ans, Amoul. Zéro. Nous avons représenté moins de 30 ans, ben. Lolou. Nous continuons d'avancer nos nous, divorce du bob démocratie, divorce du bob représentativité. Lolo, c'est une question centrale. Inclusion, mais inclusion, nous à des États, conseils municipaux, assemblée nationale, conseil d'administration, mais tamit dans le secteur privé. Inclusion, moi, personne handicapée, inclusion, moi, nous d'Angoul, inclusion, moi, nous défoule celle étude États-Unis ou la France. Inclusion moi digen, inclusion moi ndaw, etc. Je pense que l'indawi dit exprimer ou tant yop, inclusion bi moi quelque part même, première chose bini bougo. Bini bougo bok. Bini bougo legi, nous tombe, si espace yop yop ramantene, ni amnaï ni nous djel a décision, nous affecte dundum dawi. Legi yen, l'an yen khalat si question inclusion bi, si peut-être sen domaine, bok, ou alors d'une perspective générale. Yo, tu es le tchadiaï. Tchadiaï, conseil municipal B, Khamgosi Touti. Oui. Combien de personnes ont moins de 30 ans? Je ne pense même pas qu'il y ait moins de 30 ans. Tu ne penses pas qu'il y ait moins de 30 ans? Non. Toi, conseil municipal Pékin Nord? Bah bon, à Pékin Nord, quand même, c'est une exception parce que sous le conseil municipal, il y a au minimum Djurom Nyari Ndaw sur 56. Mais ah, c'est une belle exception. Ba paré ndaw yoy ñom ñoo alors ndaw ñata at la ñom bon moins de 35 ans parce que déjà amna directeur de cabinet bi ndaw la mandia Aline Badra Fall il a un master 2 ci wal projet donc même si administration bi sax ndaw ñu ñoo upp compétence et puis ndaw ñu ñoo soxla prouver en fait donc lolu aussi du limite ça me permet même de plonger directement ci sujet bobu parce que li nga doon wax ni yépp moy ndaw ñu dañu gisul sen bop ci réew mi ñak gis sa bop nak man damay wax ni dañu am problème répartition d'abord de nos richesses c'est-à-dire wax ji duñ ko yërem parce que manifestation yi fi mujj am yépp lambone politique certes mais dafa am ño xamni ma j'habite dama tourner ma gis ay xalé ñu dem ci ben boutique magasin yi ñu dajji xalé bi dafa dajji ay wéñ man nak waye wéñ bi lo koy doye mu neme ma jaay ko ferraille moy la récupération
Donc c'est pour vous dire que suñu topatoul ndaw ñi dina leen topato, c'est-à-dire lepp luñ ci def et tay damay japp ni président bi fi nek ben adversaire la am du ay politique adversaire am moy ndaw yi nga xamne dañ leen faté ndaw yi xamne dañ leen sétan xam nga biñu tambali dañu wax ci tagat giñu wara tagat ndaw ñi parce que dañu wax souvent jangal ma luñuy nappé mo gën nga may ma jëm et pousse ndaw mi mo am autonomie mais aussi benen bi question de responsabilité là individuelle moi je le dis dama def ben plateau mané gaay mon message il est destiné à tous les jeunes du Sénégal, c'est-à-dire gëm leen sen bop mais deugal leen sen bop pour nga gëm sa bop dem leen ngeen sakku xam xam ngeen dem buxante fi mag ñi di buxante ngeen mën fa tok fess ci place yoy mot ko et ensuite so nekké ndaw da nga mat benen double responsabilité parce que même dans une équipe de football hein nit ko am 50 ans 40 ans egg na niveau mais ki nga xam ni mu ngi doga ñew nek ndaw mo upp énergie mo gëna bëgg prouver mais benen bi si suñu société c'est socioculturel aussi parce que même si kër gi décision yu mag yi buñ koy jël ndaw ñi ils sont absents donc pour moi, il faut arracher le pouvoir. Il faut que les jeunes s'impliquent davantage. Maintenant, dans la formation politique, qui part politique, nous avons dit que nous avons une réelle. Si une instance de décision, nous avons dit que nous pour mobiliser, pour massifier, alors que si une instance est en mieux, nous avons dit que nous avons une moi, j'ai l'habitude de dire, même si tout le monde est sur la télé pour dire que nous mais su fekké ni yow am nga lu nek ci yow am nga ce potentiel d'abord même damay wax sax boy dem sax ci recruteur pour mu jël la liguey bu ci dem ci position demandeur montre lui que tu as de la valeur montre lui que tu as un potentiel montre lui que mom mo la soxla way yow soxla wu lok et pour ça souvent je dis engagement ça commence à la maison parce que amna bo demé ba sol sa dalu baye bu jot la war nga jox c'est ça tamit on va pas faire le procès de la jeunesse mais tay dañu am une jeunesse bo xam elle est désorientée décadrée oubliée et malheureusement j'ai l'habitude de le dire même ci solution yi nga xam ni mom lañuy jaglé ndaw ni les jeunes on les pose sur la table mais on les évite pas autour de la table on va en parler de financement structure gère wal financement yeb gisso ben ndaw bu ko jité ci processus bi ak mécanisme do gis ben ndaw bo xamanteni deglu nañ ko wala jël nañ ko en amont alors que pour man dans ce processus dañu nek société bu nek en mutation j'ai l'habitude de dire fi waruñu ci wolof on va nous dire sociologue di nañu dimbali ndaw lu téla sorti baxul lañ lool lañ ñuy gëmlo donc pour man l'unique chance que nous avons aujourd'hui au Sénégal et en Afrique on a une jeunesse et cette jeunesse elle est engagée et pour le savoir da ngay dem université tu verras boy dañuy dem tok ci tatou garab yi dem bois sacré nga wacc mbedd mi gis marchand ambulant bi nga gis pastif bi ndaw ñoo ñu am donc potentiel bobu nak man pour man ressource bobu dañ ci wara gëna investir gën leen jox nopp gën leen déglu et pape Djibril a raison su fekké ni on peut pas baisser la température en cassant le thermomètre c'est-à-dire du ay mbiru politique rek pour naxé mbaay nañu guéné financement ñi ci wara jot ci pour ñu mëna sédal donc pour man si politique de développement yi wara am yépp les jeunes doivent être au cœur et pour être au cœur il faut que les jeunes soient dans le dispositif décisionnel et donc ñu xéer pour bok pour ñu mën ci bok mais non xéer pour mën ci bok mom xam nga fa xéer kenn du lako xéeral c'est ça c'est xéer kenn du lako xéeral donc pour man lepp lo xamanteni cieur la yow do nek demandeur mais demal nga ñakante nga jël ko et duñ dem di parce que je l'ai dit mënuñu fi am suñu imam Moustapha Nia suñu imam Abdoulaye Wade ñop ñoo fi nek mais tay ya rajeunissement quand même de la classe politique et même sur les médias aussi il y a un rajeunissement et tay pape Djibril tay rajeunissement bi la bokku ak ñeneen ak ñeneen et puis comme je dis les feuilles mortes naturellement elles vont tomber et de belles fleurs vont éclore et comme il a dit des promesses générationnelles aujourd'hui on a aussi une mission générationnelle c'est-à-dire kenn suñu bul def échapper solitaire et kenn suñu am nga responsabilité boy xëc nga xëcalé ñu nek sa ginnaw et comme dañu nek ci walu lay il faut semer les bonnes graines à la bonne terre et liñuy semer tay ci ndaw ñi mom lañuy récolter donc le Sénégal de demain fera dina don li nga xamni mom lañ ci jëmbat tay exactement légui ma dem ci Aminata parce que inclusion bi tamit amna inclusion politique amna inclusion économique amna inclusion sociale etc. Aminata yow da nga bok ci ndaw yi dina ok man li la bëgg dina ci def dina ci liggéey ba am li ma bëgg am sama employé am sama entreprise mu dox waye si doxi mo entreprise bi dama bëgg lu bari jaar ci yoon bo xamanteni yoon bobu man dama ko gëm
C'est pas seulement un employé fait les nuits d'aime. Moi, tamit, j'appelle les gens, nous gagnons 10 cents bob si nous nuits d'aime, nous y'a que 5 ham ham si c'est des ligues, etc. Yo, y'a une idée, donc dans un box, 6 groupes, vous nuits au Ndawi. Ouais, Ndaunga, vous maintenez, amoureux 300 employés, essentiellement à Ndaou. Nous les ligues, nous ligues tamit 5 bob, si c'est un modèle agriculture. Les inclusion bio, non co guissé, parce que j'imagine pour les égouts même économique, digne passer à quoi jafé. Te jafé, moun ne jogé si banque bi, ou le moun ne jogé si mairie bi, ou le moun ne jogé si ministère bi. L'olie, non co guissé, te langa halat né, parce que hamga tamit yenen dek, guissinga l'ouvri kau, le guiss système inu nyu doré, te guiss fi amna le système yo hamantene. Munon yomb pour nous mettre l'en en place. Et yo lan moy sa khalat nonou si entrepreneuriat bi lan moy ralentir ndawi yo am ambition comme yo pour nous mëna egg nonou en 10 ans 15 ans nous mëna am entreprise bu mëna dox non pas de ñom si sel mën mais vraiment sur l'environnement naka l'environnement mëna affecter wala mëna jappelé entrepreneur yo am ay idée innovante wala projet à potentiel comme ça boss. Tu payes. Maintenant, concernant l'inclusion, moi, ce que je me dis à mon entreprise, mon jeune boire maintenant, de mon école, par exemple, de Bougonneau, formez où. Moi, je viens, je te le fais gratuitement. Tu n'es que ce village, ce pas pour moi, ou le gagnant. Je ne veux pas maintenir de fonds, mais je ne veux pas que 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 Nous avons des questions de financement. Parce que Taï, c'est une question qui fait beaucoup polémique. Le président de la République, Nene, je ne comprends pas. Defnal et Moumoun, Durnal et Ralis, vous avez pour soutenir cet entrepreneuriat. Nous avons été entrepreneurs. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons entité que nous avons par rapport à ton entreprise, nous réalité des financements. Nous avons 300 employés. Est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que moi, je ne suis pas allé vers l'État. D'accord. Moi, madame, directement à la banque, j'ai pris le risque. Je pense que le système étatique sénégalais de venir. Il y a toujours des choses qui ne sont pas claires dans l'administration sénégalaise. Mieux dit ça. Ouais. Je vais préférer aller à la banque, voir avec Ben Papier, mais nous connaissons mon projet. Il a besoin. Parce que j'ai des clients qui sont prêts à acheter mon produit, 100%. Et j'ai des garanties. J'ai un garantie pour ramener une hypothèque. Quand j'ai pris le risque. Et c'est ce que j'ai fait. Et pas toi toute seule, justement. Hein? Tu as, non, tu as pris le risque parce que tu as eu en prenant ce risque, en tant que jeune, je suis jeune. Mais il faut encore un Makyubar. C'est ça. Et c'est cette question que je veux te poser. Makyubar. Makyubar. Makyubar pour nous diapoler Sendawi. Moi, ce que je dis, moi, je fais plus confiance à mon père, à mes parents. Parce que nous, meilleurs, ce sont mes parents. PDF, Doum Bougon, si Walum. Inclusion, entrepreneuriat, particulièrement, il y a un axe, la question de l'inclusion politique. Comment on fait concrètement pour que Ndawi, Mounsi, Dougou, Mounsi avance? Là, nous nous sortons. Est-ce que Magui, Bokonensi, nous l'a dit d'appeler? Est-ce que Ndawi s'enbire? Il y aura maintenant une pouvoir de charger. Rapidement, pour faire ben ramasser ce que j'ai dit Cheikh Omar Wahko, avec Aminata, c'est par rapport à l'inclusion. Inclusion sociale, avec you bari you jëm ci, parce que si on a inclusion sociale avec moi, on pense aux couches vulnérables. Fi sunu rew surtout en Afrique francophone de façon globale dañu ay trop ci slogan
Mais le plus souvent, c'est des slogans sans réalité. Mm-hmm. Alors qu'ailleurs, naturellement, c'est des réalités sans nom. Mm-hmm. Ici, c'est des noms sans réalité, mm-hmm. malheureusement. Moi, je me méfie des slogans. Mm-hmm. Parce que derrière les slogans, finalement, on se bat pour les slogans, on met beaucoup d'argent dans la communication. Mm-hmm. Relations publiques, on explique énormément de choses, mais derrière, c'est le désert. Mm-hmm. Il n'y a absolument rien. Mm-hmm. Donc, lol aussi, tu sous nos responsabilités, mm-hmm. qu'on commence à nommer les choses. On ne nomme pas suffisamment les problèmes. Mm-hmm. On les contourne, mm-hmm. on ne les règle pas, mm-hmm. on les déplace. Et ça nous rattrape. Mm-hmm. Le Covid a été un révélateur extraordinaire. Mm-hmm. C'est ça aussi l'une des particularités d'une crise. Mm-hmm. Crise, il faut que le début de solution. Mais il faut que yo xamanteni dañ ko waron def te defuñuko lo xamanteni dañ ngone won na xaar suba au lieu que ñu régler ko tay ñu né na xaar suba wala lañ fa wara def ñu jël ko def ko fenen lolu mo nek ci walu politique damay wax né nek jeune rek doyul pour mëna am taxaway da ngay nek jeune am conscience ci responsabilité bi nga am ci sa réew ak ci sa continent nga xam nga am nga comprendre. C'est en réalité une question de sens. C'est une question de sens. Xom nan la ko meuna waxe moy nit ki fokk mu xam lan motax mu nek waré fam lan motax nga nek yow wa légui nak après nga xol nan ngay évoluer ci sa société ak ban jeriñ ngay impacter. Aminata wax nako légui té mom la Oulay Maté di def moy neku ñu rek ay directeurs d'entreprise mais ñongi def entrepreneuriat social. Parce que nous avons questionné, c'est une responsabilité sociétale, naturellement. Ce que nous avons RSE. Il faut que nous ayons un contraire de faire avec nous. C'est un slogan. Parce que ce que nous avons fait, par exemple, une industrie, une entreprise multinationale qui vient s'installer dans un... On a vu ce qui s'est passé à Gadjanga. C'est-à-dire que tu prends une... Aujourd'hui, il faut gaz que nous avons exploité et tout autour, mais c'est la catastrophe. Ce n'est même pas la pauvreté, c'est le dénuement total. Les gens manquent de tout, alors que c'est une souffle, nous faisons gagner une richesse inestimable. Comme à Sabodala aussi. Vous voyez, partout au Sénégal, c'est comme ça. Les gens, responsabilité sociétale d'entreprise, mais multinationale, en réalité, c'est juste. C'est rien du tout. Par rapport au désastre qui est causé à la population. Donc, entrepreneuriat social, c'est une question de culture. Il faut que. Ça commence par l'institution de base, la famille. Comment est-ce qu'on socialise dans ce pays-là? Là aussi, c'est important. Parce que nous avons été surpris par ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Et nous n'avons pas su réinventer notre modèle éducatif. Déjà, on avait un modèle éducatif qui n'a pas su produire les effets escomptés, en tout cas pour nous, parce que ce n'était pas fait pour nous, ce n'était pas pour nous permettre de développer, de se développer sur le plan économique et social. Ça ne prenait en compte ni nos identités, ça ne prenait en compte ni notre volonté commune de vivre en commun. Qu'est-ce qui se passe de CI au CM2, à la classe de CM2, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'apprend? Moi, j'ai mon bac au Sénégal, je connais beaucoup plus l'Occident, je connais beaucoup plus les guerres qui se sont passées. Mais que ce qui s'est passé ici chez moi. Effectivement. Donc, en réalité, je m'ignore totalement et je connais l'autre. Et maintenant, on vient même me reprocher. On a une école française et non une école sénégalaise. Oui, on vient même me reprocher, Néma. Yaudal, culture de l'altérité, tu es nul. Je ne peux accepter l'autre. Mais avant que j'accepte l'autre, il faut que je connaisse mon propre. À la table de l'universel, qu'est-ce que je mets sur la table, moi? Tu dis non, j'étais sorti. Quand je rencontre l'autre, pour pouvoir donner quelque chose, il faut que je connaisse mon propre. Si je traverse une crise identitaire, je ne peux maîtriser la culture de l'altérité. Ce moment-là, je me replie sur moi-même. Je suis sur la défensive. Je peux même traverser ben complexe de supériorité ou d'infériorité. Et je suis dans ce qu'on appelle ici, de façon triviale, la tolérance. Et moi, dans ma journée, c'est l'échec du vivre ensemble, la tolérance. Je m'explique. Expliquez-vous, Gavard. Parce que tolérance, quand tu tolères quelqu'un, tu souffres pour le contenir. C'est ça. Moi, je parle de l'acceptation. Tu acceptes l'autre tel qu'il est.
comme point final quoi. Point final. Légui éducation bi tax mo am solo fofu lay jéxalé jangalu ñu len né mbay mi amna opportunité d'affaire. Yow tu as eu la chance d'avoir fait une grande école au Canada où tu as vu des gens qui ont fait l'agriculture et qui n'ont rien à envier aux autres parce qu'ils ont décelé des opportunités d'affaires. Mais même le ministre de l'agriculture du Sénégal ne souhaite pas s'investir dans l'agriculture. T'es bougoul, t'es du djel dom amne ko demal jangi bay. Le ministre de la pêche, du djel dom amne ko demal jangi nap. Le ministre de l'élevage, du djel dom amne ko demal sam. Day bëgg mu nek ministre wala mu nek DG. Mais en fait, ce que je veux dire tout simplement, moi, il faut une réponse globale. Il faut une réponse globale. Il faut du sens. Il faut donner du sens. Il faut l'engagement aussi, encore une fois. Il faut, c'est une culture, même l'entrepreneuriat, la culture entrepreneuriale. Mais il ne faut pas que le gouvernement, quand même, tout le monde doit être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur.